Et dans un espace lointain, avec une gorgée de café. Ah, le pilote que je suis, Émérite, retourne sur Star Valor avec vous. 39e épisode, les amis, 39e. On n'est pas encore niveau 30, bah dis donc. Ça va être long, ça va être long. Je vous le raconte pas, comme ça va être long. Alors, il me semble avoir acheté quelque chose. Bouclier lourd, pourquoi? Quelqu'un voulait un bouclier lourd? Kit d'amélioration en verre. J'avais pas acheté une Gatling? Je l'ai mis. On va améliorer les armes de Papa le Bator qui est dans l'ogre maintenant. Et toute ma flotte est en verre. Donc on est quand même en atypique, si on veut. On est en atypique. Hangar. Fabrication. Kit d'amélioration. Il me faut composants de base. J'en ai 10. Est-ce que je peux en faire plus? Tout déposé, ok, oui, j'ai des métaux, donc ça fait 2 armes, 4, on réfléchit pas, on commence par ça, hein. Mais évidemment ici il ne vend rien, ah je peux pas regarder ici, c'est pas grave, on va bouger, renfort de coque amélioré, pas mal ça. Et en armes, canon léger, missile réserve. Ouais. Bah écoutez, c'est pas grave, on va lever le camp. Et on explore. Pas les déchets, hein. On n'est pas éboueur de l'espace, c'est terminé. Encore des déchets, mais décidément. Débris, les warp cells et de la ferraille pour les crafts d'amélioration. Indispensable. Ça a l'air tout bête comme ça, mais on en a jamais assez. C'est comme le café. 7 ferrailles, waouh. On a une station civile, on va y retourner, peut-être pour faire nos crafts d'amélioration pour Papal. Et si vous demandez où est passé Soren, Soren est devenu copilote de Papal Bator, il continue son XP, sa formation. Comme il est pilote, il prendra un vaisseau, évidemment. Débris, on y va. La soute 49%, on est vachement bien. Des fois, on peut popper une nacelle de sauvetage. Et il y a eu un pépin, tranquille, ah tranquille, t'as pris une claque, il s'est pris une mine. Est-ce que tranquille peut accoster dans mon vaisseau? Non. Je n'ai pas de soute pour ça. Mais voilà, on le répare avec le drone, c'est pas méchant. Du coup, il va le garder le drone de réparation, parce que s'il se prend une autre mine, et boum, terminé. Signal de détresse détecté, mais nous y allons. Évidemment. On est Medicorp, hein, ou on ne l'est pas. Pour ceux qui connaissent Elite Dangerous. Et alors, Elite Dangerous, si on se demande, j'y retournerai, mais en VOD uniquement, donc je tournerai en off. Parce que en stream, il y a des chutes de FPS, c'est bien triste. Parce que l'infiltration m'a bien fait marrer l'autre fois. Qu'est-ce qu'on a là? Une nacelle. Eh ben voilà. Rebecca Evans, en plus, elle est verte, elle est atypique, c'est cool. Donc vert, bah c'est comme du universe, vert atypique, en bleu c'est avancé, on va dire ça. Le rare ça va être le violet et l'exotique l'orange, tier 4. Ça on s'y retrouve. Plus besoin de réparation. Et le drone, oh bah voilà, c'est propre. Un champ de débris encore. Faut que je trouve un vaisseau plus gros peut-être pour tranquille. Ce serait pas négatif. Et on est honoré. Enfant de Terra. On va travailler la répute. On a presque tout exploré. On va gagner encore des points d'explo. Ça coûtera moins cher en distorsion. Oui. Plus niveau 1 en tech. Ah bon. En niveau 23. On a monté en commande flotte. On est monté 20. Explorateur, on y est bientôt. Ça me plaît. Excusez-moi messieurs. Yes, on a garé all créneau. Alors, provisions nécessaires, azote liquide. Ouais. On n'a pas encore de vaisseau de soins, c'est vrai que ce serait pas mal. Si t'amènes du cobalt, tu peux gagner quoi? Ouais.
Bah, un débris 2, rien de mieux. Je crois qu'on a déjà tout vérifié. On a donc deux kits d'amélioration, 3. On va tout déposer. Beaucoup trop, beaucoup trop. On va en vendre. Voilà, on gagne de la place. J'ai des micro-puces. On a plein de ferraille. Et si on veut faire des... Oui, on peut. 1, 2. On peut en faire encore un. Est-ce qu'on peut faire encore? On n'a plus de compo de base, donc c'est fini. On a encore une place. Et Rebecca Evans, c'est la dernière. Tacticien. Et armure plus 1. D'accord. On revient sur Papa le Bator. On veut encore améliorer ton vaisseau. Le fameux ogre. Terrible. On peut pas dézoomer là, c'est dommage. Alors, kit d'amélioration, Gatling, oui. Alors, on est passé à 46. Ah, c'est largement mieux. Tout l'armement est en bleu. Dès qu'on trouve des reliques, on va upgrader aussi. Énergie, on est bon. On va améliorer l'amplificateur de vitesse. C'est bon, on se combat. Stabilisateur aussi, on va l'améliorer. Et gyroscope, c'est pas terrible, hein. Franchement, j'ai déjà dit en plus. Est-ce qu'on peut fabriquer un gyroscope potable? J'ai rien. Le grand gyroscope. Espace 4. Ça va, on laisse là comme ça. Tout ce qu'on veut, nous, c'est que j'ai rien laissé traîner. Non, c'est bon. Et ben, on va bouger. On pourrait continuer vers le 24 là, ou on pourrait aller là, mais je sens que c'est le boss. Et je suis pas sûr qu'on soit top. 29-35. On a plein en warp. Allons plutôt là-bas vers la cité Proxima. On va miner un peu. Voilà, on est chez nous. On est entre amis. Comment ça se passe? Je manque de points pour la nébuleuse. On a, voilà, interférence nébuleuse. Et le problème, c'est que il faudrait que je coche peut-être. Il faudrait que je monte ici. Pour ressentir de portée du scanner dans les nébuleuses et le double. Ça, pour détecter les objets, ouais, bah on va travailler. Hein. On peut gagner un zoom ici, hein. Mettre aussi... Ouais, bah vivement le niveau 29, quoi. Allez. Du vert, ça tombe bien. C'est super, là. Si on va faire fortune, mais au moins on va gratter tous ces cailloux. Oh, mais c'est un énorme champ! Mais c'est génial! En plus, c'est lumineux, c'est pas sombre, donc on va pouvoir couper, hop, le projecteur. Regardez l'ombre ici. Voilà, petit cliché d'amour. Astéroïde rouge ici. Mon papa t'a fait pousser un verre là, j'ai vu. Attends. Oh, je pense qu'on va se goinfrer. La planète en arrière-plan est magnifique. Je peux y aller, hein, 55%. On a une soute, les amis. Le laser ne chauffe même pas.
l'idéal, c'est avoir un nouveau vaisseau qui soit bleu, quoi. On passe en avancée. Pour tout le monde, pour toute la flotte. Et les vaisseaux Alien Vengi sont assez costauds, par expérience, donc peut-être que les vaisseaux de Terra seront mieux que les nôtres. Station découverte spatiale, bah on va voir après. Ah bah ils sont juste là en plus. Oh bah tiens, on va gratter tout le champ minier. Comme ça on va gagner des bonus. Tous ces petits cailloux de l'espace. Ah, c'est en plus où je la dual univers, c'est calibré, mais c'est horrible hein. Ah ok, tranquille, salut. Bah, heureux d'avoir occupé l'esprit en tout cas. À la prochaine. Et nous, on continue encore. Ça m'éclate ça, les gens puissent voir les streams au taf comme ça. Alors, on a oublié du fer. Non, c'est bon. On est à 100%. Ok, bah on va vider ça et on va continuer de gratter. Allez, mission de paix, oui. En échangeant en vaisseau, qu'est-ce qu'ils ont ici? Rien. Laser rapide perforant. J'ai quoi, moi? Moi j'ai rien parce que je mine. Hein. Grand réacteur à fusion. Ah oui mais je suis plein. Alors attends, on va vider. La ferraille, on vend pas, on range. Le lithium c'est pareil. Le métal raffiné c'est pareil. On va le démanteler. On sait pas le fabriquer ça? Non, on sait pas. Donc on va en racheter un. Voilà, on a la recette. Amplificateur de vitesse tier 2, on le connaît. Donc ça on ne connaît pas. Il est rangé là. Voilà, on a pris le plan. On va vider un petit peu. Synergie, on est bon. Lance-missile, j'en ai encore des lance-missiles. Non, donc on va virer les lance-missiles. On vend l'or, l'argent, bismuth, cobalt, je ne sais plus, tétane, oui. On va fabriquer des composants à base de nos améliorations. 27 composants, waouh! Est-ce que les vaisseaux ont chopé des choses? Oui! On vend tout, hein! Tac, la lumière, on le vend. Voilà, on est bientôt à 200 000 crédits, ça va mieux les affaires! Acteur nucléaire en tier 3, bah on va démonter, hein! Garde, amplificateur de vitesse, non, on démonte. On ne connaît pas, générateur bouclier lourd, voilà, c'est fait. Rayon tracteur, c'est pareil, on ne connaît pas, on va donc le démonter. On va purger tout ça. Ça m'embête. Le flux, j'ai pas assez appris de tier 2. Déflecteur tier 2. On n'a pas appris le condensateur de flux, je suis bête. Raffinerie, on a quoi? Espace 2, l'avancée est à 3.
condensateur prend pas d'espace, déflecteur non plus. Ouais, on verra après ça, c'est pas grave. Ici, on va démonter ce truc là. Le canon flak, c'est pareil. Un canon à rafale, allez. Un laser moyen. On achètera. Je suis pas inquiet. On a vendu tout, bah on continue. On continue, on va gratter. Et là, c'est pour nous. Ah, et j'ai quoi là? Quelque chose, une cible. Je voudrais voir si je gagne mon haut fer en vidant tout le champ d'astéroïdes. Ça va pas être trop long. Hein. Apparemment j'ai réussi des quêtes. Est-ce que je vais retourner les valider ou pas? L'autre va s'arrêter si je suis pas inquiet. Clac, encore celui-là. Par contre, avec la nébuleuse, on n'a aucune visibilité. Je mets des points à fond dans les scanners. Je ne sais pas, des scanners spéciaux pour les nébuleuses, tiens d'ailleurs. Si mes coéquipiers vont ramasser aussi. Alors, Bjorn et Papal. Ouais, ça ramasse. Ça ramasse, on va tout prendre. Il reste plus grand chose. Dès que le champ est écrit en gris, c'est qu'on a eu tous les astéroïdes. Encore celui-là. Et normalement, on a tout looté. Il semblerait que ce soit bon. On va vider la cargaison. Ah bah, il y en a encore là. Il comptait pas cela ? Je suis un grand farmer là, on laisse rien. Voilà, c'est bon. Ah, ça dégage rien du tout, la vache. Hein. Franchement. Est-ce qu'on n'aurait pas un truc? Scanner Attaquion. C'est ce qu'on a déjà. On est à 3, on n'a pas besoin. Dispositif de camouflage, ça va venir ça. Les vaisseaux pourront être furtifs. Grand gyroscope, on ne le connaît pas. Ah bah non, on ne connaît pas. Alors. Vendre, on dépose, c'est pareil, on se fait du pognon. Je crois qu'il faut rendre du cobalt. Et camarades, un peu d'argent, du bismuth, du cobalt, titane, chargé. Voilà, on a dépassé les 200 000 crédits, on est à l'aise. Apparemment, ici, il faut rendre quoi? Ah, tiens. On a des petites choses à faire. Allez, on est parti. On va voir ce qui se passe, pourquoi on est ciblé comme ça, là. Explorer la zone comme ça, ça va être dur. Là, le portail, ok. Ah, on voit absolument rien.
Maraudeur en vue, attaque! On va se foutre celui-là, nous. J'ai mon laser qui a chauffé. Et voilà, maintien de la paix, 2 sur 2. Mais par contre, ils sont super bons, quoi. En encaissement, Bjorn, il reprend bien. Mordor, ça remonte en bouclier. On va faire un petit tour, on va essayer de dégager un peu. Mais c'est vrai que là, ça n'a rien assisté. Hein. Nébuleuse, ça va être compliqué. Encore quelques cailloux de l'espace. Ici, mais comme on voit rien, c'est pas rigolo. Ouais, on valide et on bouge. Par contre, niveau 28, vous voyez là, ça monte bien. On est un peu plus haut en niveau. C'est pas dégueu. Accostage, yes. Qu'est-ce qu'on gagne? Laser rapide d'air. Ça, c'est cool. La mitrailleuse Gatling, on prend. On prend. Plus super sec. Ok, allez, on va valider ici, on bouge, on va cramer un peu de distorsion, on va voir comment on est. Ah, excusez-moi, petit café, et on a un radar qui détecte quelque chose en haut. On va commencer par le loot. On n'en veut pas, poubelle, non. Validé, on va bouger, un système plus compliqué. Baie de drone d'attaque MK2, ça c'est intéressant. Armure de neutronium, c'est vachement bien aussi. En fait, je vais garder mon autre armure, parce qu'elle est mieux, elle compense le fait que j'ai un renforcement d'armure de soute. Baie de drone d'attaque MK3, on le connaissait pas. Ici, on peut rendre paf le cobalt. Le contrôle invisible, j'ai vraiment peur. Allez, vous bougez pas trop, les gars, ce n'est pas envie. Ça recharge pour la distorsion. Et le zip, bof. Capteur MK3. Petit condensateur. On va commencer à garder eux. Voilà, ça on peut vendre, ça non. On va détruire ça, ça m'embête. Très bien. La flotte est en passe, on a rechargé. On va oser, niveau 22, je sais pas à quoi m'attendre, ça va faire mal. J'aurais dû sauvegarder. Ah, j'aurais dû. C'est un champ d'astéroïdes. Punaise. Pourquoi? Pourquoi venir là? Distorsion 45%. Tranquille, il prend cher. On va bouger. Champ de débris découvert. Allez, on warp. On warp, on warp. On a warpé et on va réparer tranquille. Qui va arriver, mon pauvre. Voilà, il a pris une claque. Mais il tient qu'un petit zip, c'est un tout petit vaisseau. C'est clair qu'on va chercher quelque chose de plus gros. Il faudrait trouver un beau vaisseau bleu, un peu plus costaud. Tiens, comme un gardien. Oh, c'est pas vrai. On a
un gardien. Et on est station civile par là. Allez, on y va. Tranquille, prend tellement cher. On n'a peut-être pas la force qu'il faut pour le retenir, mais... Viens. Ah, c'est chouette. Va dans la station, va dans la station. Oh, punaise. Attends, je vais le chercher, il va se barrer là, trop vite. J'arrive pas à le freiner. On va aller en douceur. Ah, mais je l'ai même mis dans mon vaisseau, j'oubliais que je pouvais le prendre dans la soute, c'est pas vrai. Ah, ben on va voir ça tout de suite. Hangar, le gardien c'est quoi? C'est une corvette. Il me reste 3 points. Et tranquille dans une navette. Donc on aurait pile poil les points qu'il faut. Navette de points. Eh ben voilà, eh ben on va virer la navette. On va virer tout ça. On va se prendre la tête quelques minutes. Et quand j'aurai un plus gros vaisseau, on verra. Après, je ferai peut-être vaisseau de combat, j'en sais rien. Mais ici, il n'y a que tranquille, il n'y a plus rien. On va tout déposer dans la station pour rien perdre. Tout déposer. Fin des modifications. Du coup, tranquille, retirer de la flotte. Voilà, et on va demander au gardien de nous rejoindre, ajouter. Il va être qui en pilote? Alors Cliff, mitrailleur. Osef, tu es superviseur, mi-papa le mitrailleur. Tacticien, tranquille, tu es pilote et tu vas rester. Du coup, bienvenue à toi dans le gardien. Je me note ça pour me souvenir en descriptif de vidéo, il sera content. Quand il reviendra, il a loupé ça. Premier vaisseau avancé. Donc lui, arme jusqu'à 9. Ah ouais, non mais c'est top. Un vrai vaisseau de guerre. Stabilisateur, on verra après. Bon. On va tout déposer. Hein. On va commencer par ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un réacteur à fusion. Est-ce que par hasard on aurait des grands réacteurs à fusion? On en a. Voilà, on est monté à 90. On va prendre la charge bouclier 2. On ne connaît pas le schéma, on va démonter. Voilà, on l'a appris. Et on l'équipe. Est-ce que je pourrais fabriquer un bouclier potable? Donc ça c'est 5 places, ça fait du 150. Lourd, 150. J'ai pas les composants de qualité, d'accord. 3 micro-puces. Acheter un petit peu. Hein. On a pu fabriquer 2 lourds. C'est pas mal pour débuter. 300. Maintenant, l'énergie. On a monté les boucliers. Enfin, les propulsions au max. On va monter les boucliers. Plus 44. On va monter l'armement. On est bon. On est franchement bon. Avec juste 2 grands réacteurs à fusion, c'est pas mal. Module impulsion, c'est pas terrible. On va démonter ça. Je veux pas de réacteur nucléaire. On vire ça aussi. Les petits réacteurs fusion, c'est naze. L'impulsion terrestre pour nous suivre, oui. Propulseur interro, c'est bof. Gyroscope, c'est naze. Donc ça, on démonte.
sur combat, faute de mieux. On va voir. On va l'équiper, hein. Voilà. Et on n'a rien de mieux. Rayon collecteur. On va aller en amélioration du vaisseau. Il y a le bouclier à plus 45 qui est pas mal. Dégâts d'armes plus 3%. War critique plus 4. Et bonus. Allez, critique. Est-ce que je peux faire un composant de qualité? Non, je n'ai pas d'aluminium. Ce sera pour plus tard. On peut faire du tier 2 par contre. 8% de points de vie en plus. Bouclier plus 16%, portée des armes plus 20, distance d'absorption. Portée des armes. Non, on peut pas faire un autre truc, on n'a pas le droit. Si je veux... Ah si, bouclier plus 16. Ah ouais! Alors on est reparti. Énergie, ça va. Énorme batterie, non. Par contre, une grande batterie. On va vendre le zip, hein. Au revoir. On va voir si j'ai tort ou pas, mais on est bien là. Espace 5. Et l'autre est monté à 48. Purificateur de vitesse, oui. On a 36. Plus que 10 points, le stabilisateur. Je crois que j'en ai un. Dans l'équipe, on n'a pas mieux. Grand propulseur latéraux, oui. Il nous reste 5 points. Grand gyroscope. Il nous reste 1 point. Ah, punaise. Renfort de coque, c'est 1 point, mais ça, je peux pas. On est à 522 de bouclier, c'est pas mal. Hein. Par contre, on va manquer d'énergie, hein, clairement. On va déposer ça, ça c'est bien. On a mis à moins 4. On verra le loot filter après. Et en bouclier, il n'y a pas de bouclier, un renfort de coque, non c'est 1. Ok, on revient ici. Alors, loot filter, configuration. Pas le collecter de chunk, non. Ok. Est-ce qu'on peut fabriquer des kits? J'en ai deux. On va améliorer. Après, on verra si on garde la grande batterie ou pas. Les composants, j'en ai 7. Ouais, attends. On va vérifier ça ici tout de suite. Alors guidage, non, j'ai pas besoin, je me suis planté. On va vendre tout ça, pour l'instant on se pose pas de questions. On va charger ça. Acheter du coup, paf, j'avais dit des micro-puces encore. On fait plus de courant si on peut. J'en ai que un de chaque. Voilà, et on reprend le vaisseau de tranquille. Du coup, t'avais beaucoup de trucs, hein, je sais. On booste l'énergie. Voilà, c'est déjà mieux. Et le grand gyroscope aussi, on va l'améliorer. Clac. Ok, l'armement maintenant. Et là, ça va être autre chose. L'armement... à 384, un canon à ion, espace 1. Et en arme, on a quoi?
Toucher projectile et des drones, ça pourrait être bien. Laser amélioré, 70, 74, pourquoi? Coût énergie 49 par seconde, on n'a pas les moyens. Laser à rafale, c'est top par contre. Le canon flak. On n'a pas de super Gatling. J'en ai une. Bon, faute de mieux pour l'instant. 4,5 sur 9. Ouais, bah écoute, on va équiper ça, hein, la rafale. Le canon à ion. Ça fait des lasers rafales, un canon à ion. On est à 6,5 sur 9, mais c'est énorme. C'est énorme. Ça, on vient. Et le canon flak. Je sais pas. Plutôt. Quoique. Comment ça se passe en armement? On a 8,5 sur 9, on pourra prendre un DR dès qu'on pourra. Est-ce que je peux en fabriquer un? Ça serait pas mal, donc défense, DR. Et puis on retrouvera des matos un peu mieux pour lui dès qu'on peut. Ouais, compo de base, tout ça, on peut pas. On peut pas. On est parti dans les achats. Alors il nous faut du Vulcain, du lance-missile et du canon. On va en acheter même 4000. Alors, il a la place. Hein. Le canon, on va lui en acheter. Je sais pas, moi, si je prends 100, ça coûte cher. Et lance-missile. On va prendre 2000. On est bien. On valide. C'est un début. Je peux pas charger. Ah ok, il y a trop. Donc là il est full. Côté équipier maintenant. Il faudra un copilote. On va chercher ça. On a quoi? Mitrailleur ingénieur. Bonus de dégâts critiques plus 7, ouais ok c'est pas mal, mais c'est en copilote, il pourrait donner. Test de minage, accélération, armure. Rebecca Evan, c'est pas mal aussi. Hein. J'hésite entre Mini Papa et Rebecca Evans. On va prendre Rebecca Evans. Et on la signe en copilote. Voilà, on gagne ingénieur 2%. Ouais, ok. Fin des modifs, c'est bon. On va faire un petit tour de Barouf là pour la map, juste pour tester, ce sera pas mal. On a toujours le même nombre de vaisseaux, mais c'est quand même beaucoup plus costaud qu'au début de la partie. Et on va pas miner tout de suite, on verra après. Je vais faire un test de vitesse. Ça suit sauf un qui ne suit pas. Papa le bâtard. Une base rebelle. Est-ce qu'on peut voir les rebelles pour tuer des pirates? Est-ce que vous avez une mission de paix? Oui. Je vais juste vérifier aussi pourquoi Papa Albator, il traîne des fesses. 42, ouais, non, mais non. Il n'y a pas de raison. Une relique ancienne, ouf. On va passer à côté des pirates. On y va. On va la choper. Et je donne un ordre pour taper le maraudeur ici. Ah bah voilà. Mon canon automatique. Tout se passe bien. Et
Et tranquille, du coup, avec ton gardien. Très belle action de tranquille. Bon, il faut qu'ils apprennent à viser. Hein. Après, ça ira. Et bonjour, Ivoire. Salut. Ah, t'arrives sur la fin du live. J'ai fait du Star Valor tout l'après-midi. Encore quelques minutes. Tu vas bien? Je valide ça. Allez, astéroïde 2. Distorsion. Oh, c'est bien ça. Alors, on a un module distorsion à neutrons, espace 4. Espace 2. Ça me plairait bien, mais j'ai pas les moyens pour l'instant, on va le garder. On va continuer à explorer. Je fais le tour un peu des copains qui passent sur le Twitch comme ça. Est-ce que t'es encore sur Dual Universe? Je suis assez curieux. Je fais juste mon barouf d'honneur de la map. On va tout débloquer et on va accoster évidemment à la station civile. Champ de débris. C'est vraiment pour les points. On aura fait une belle après-midi là-dessus. Oh, un atelier de création. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a? Canon à rafale, on prend. On connaît pas. Non, on connaissait. Gun, petit absorbeur, pas mal celui-là. On connaissait aussi canon plasma body impulsion 3. Non, mais ça a l'air tout. Et en équipement, bouclier lourd à 300. Je ne sais pas plus, non. On bouge de là. Et on va finir ici. C'est bon, c'est exploré. On aura donc mis la flotte en atypique tout en vert. Et tranquille, aura gagné un vaisseau bleu, un gardien. Un vaisseau avancé, et ça c'est chouette. Les amis, on accoste là. On aura fait 3 épisodes cet après-midi. Papa Albator, tu veux bien, s'il te plaît, accoster? Merci. On va sauvegarder. Et pour Star Valor, eh ben, c'est fini. Et pour les copains qui veulent venir me voir ce soir, donc petit clin d'œil à Rivoire, Kingdoms and Castle ce soir à partir de 21h, on va s'amuser avec les dragons, les ogres et les bobbies. C'était Star Valor et je vous dis à bientôt tout le monde. Je vais couper juste pour les vignettes.